changé le cœur de graphique parce que mon ancienne carte elle a cramé. J'ai dû vendre 3 reins. Alors, même si on sait que dans un corps humain normal, il n'y en a que 2. Pour pouvoir acheter ma nouvelle carte graphique. Apparemment, je l'appellerai donc la carte graphique 3-1. Il craignait que des comme pêcheurs si locaux, vous étiez allemand et alsacien. Et un autre truc avec le RAN. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment militaire. Tu peux continuer, c'est bon. Myers va Ah merde, non. C'est vrai que c'était pas ma dernière sauvegarde. J'ai tenté de faire le fifou. Alors, ma dernière sauvegarde Narmel, c'est celle-ci. Ouais, j'ai tenté des trucs avec cette nouvelle carte, et notamment la config. Mais... voilà. On va pas trop faire le fifou, hein. Parce qu'il y a... C'était la dernière carte graphique sur Terre hein, que j'ai achetée, maintenant c'est mort. Putain, mais j'ai l'impression que c'est dégueulasse. J'ai l'impression que... Que c'est dégueulasse. Non. C'est bon, non? Hein? Restaurer les paramètres par défaut, apparemment c'est ça. D'accord. Bon, c'est vrai que. Après, il y a mon écran qui est pas parfait en termes de vie sur Terre. Mais c'est pas moche quand même. Il était pas moche à l'origine, ceci dit. Donc là, je stream. Donc là, je suis en train de faire ce qui a probablement cramé l'ancienne carte graphique. T'es pas censé. Est-ce que c'est con? Ta gueule. Je suis en train de parler à des gens qui sont dans ma tête. Donc la musique est sympa là, pourquoi c'est en mode rouge? C'est pas bien le rouge, ça fait peur. La musique elle est sympa. Oh. Ah c'est Pacifica encore. Putain, on dirait une psychopathe sérieux. Toujours rien. Allez, c'est quand même pas si compliqué. Non mais on va se taire là. Monastère. Oula. Non, il est pas dégueulasse. Par contre, on voit toujours pas mes cheveux. Scandale. Scandale rébellion. Alors, c'est là ton truc. Vas-y. On a un gagnant. Voilà. Super. Jackie, où en est le Flathead? Il est en place. Système opérationnel. Charge à 100. Vous allez rester là à le regarder galérer? Faut passer en commande manuelle. V, prends les claques contrôle de Jackie. Comme par hasard. Je vais connecter Hiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. Comme par hasard, c'est toujours V hein, qui fait le bol. Prendre la puce, c'est parti. Pourquoi faut que ce soit moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de l'insérer? Hein? Vic me fait pas crédit à moi. J'ai un vieux micro logiciel avec un flux de données trop lent. Allez, Chica, on n'a pas toute la journée. Ouais, ouh. La surveillance. La surveillance couvre tout l'hôtel. J'ai pas besoin de le dire puisqu'elle le dit. Même les plumards des suites. Okay. Ça dérange pas les clients. T'imagines pas à quoi les gens sont prêts à renoncer pour se sentir en sécurité. Heureusement pour si, nous, je suis en train de le vivre. Exception. Le penthouse est dans le noir, aucune sécurité. Putain, cette phrase, elle va résonner dans l'univers. S'il y a une IA qui prend le contrôle de cette planète, rappelle-toi cette phrase. Ne laisse pas tes parties apeurées te contrôler. C'est bon, on voit, c'est bon, ferme ta gueule. C'est parti. De toute façon, ma chaise qui va t'arriver. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu. Ah, mais je suis pas. Désorienté. Ouais, non, ça va. Ouh. Ouais, ça a pas duré longtemps, ça. Hein. Comme par hasard. Ok, j'ai un bon visuel. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux. Emmène-le au conduit suivant. Leur lieu de travail comme ça. Comment je fais? Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ordinateur. Ce n'est pas une question d'argent. Les élections approchent. Ouais. De quoi je vais avoir l'air? Les gens Balkanis. Vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Ok. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera. Et c'est tout ce que je peux vous promettre. Mais attends, parce que ça va le voir, ils vont le voir si je fais ça. Exécution de la commande. Ah mais il est genre en mode... Ah oui, il est en furtif. Ghost in the shell, in the game of cyberpunk.
Nanana, avec mes amis Jackie et T-Bag. Je peux faire un générique d'anime à partir de cette chanson absolument. C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Ah, thanks. Ok, donc c'est un peu de dégueulasse. C'était pour toi. C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouverait. Le mot disait désolé pour le désordre. Okay. Il y avait du sang partout. Okay. Mais il a laissé un pourboire, au moins. Je suis la seule à retrouver que du vomi et des capotes usagées. Il n'y a vraiment pas de justice. Tristesse absolue après ce discours. Tu crois qu'il est célibataire? Bug, j'ai un souci. Quoi encore? Le beau gosse. Une femme de ménage sur le chemin. Regard coquin. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur son réseau. Yorinobu Arasaka. Ok, ça marche. Les types comme lui sont toujours célibataires. Il porte un costume hors de prix, mais la c'est télé, un t'en penses quoi? Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Il y a un terrarium. Qu'est-ce qui pourrait les tuer, ces deux poufiates? La régulateur. Non, je veux pas tuer. Regarde ça, tu les écrases partout. Le panneau du smart room. La tape. Bref, la télé, ça pourrait les attirer. Suffit de passer. Le gros cliché. Suffit de passer. Non, suffit de passer. Suffit de passer. Prends un café, on parle un peu de tes affaires, et puis on se quitte bons amis. Et la télé alors, t'en dis quoi? Ce que j'en dis, cherche encore. Non, les trucs à 14h qui passaient sur TF1, là. Et Feu de l'amour. Le gros cliché femme de ménage, Feu de l'amour, quoi. Y a un panneau smart room, ça peut servir? Non, absolument pas. C'est bon? Pourtant, il y avait marqué smart dessus, c'est intelligent. Il y a le terrarium. Un panneau de contrôle sur le terrarium. Je doute que ça soit utile. Comment ça le saoule? Putain, le dernier truc, ça sera le truc utile. Le terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Premios, envoie-y le flathead. Voilà, le dernier truc. Putain de sa grand-mère. Désolé pour les grand-mères qui nous écoutent. Elles sont nombreuses à souscrire à cette chaîne complètement folle en termes de références du troisième âge. Le dernier, hein, c'est pour ça qu'on est triste quand on les évoque. C'est parce qu'on parle de leur mort future. Non, c'est bon, je déconne. Même si un peu. Exécution de la commerde. Y a un problème avec le terrarium. Hey Bug, ça a marché. Ouais, je sais pas. Mais t'as encore rien vu. Est-ce que tu sais seulement combien ça vaut ces trucs? Non. Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Je fais quoi du coup? Je vais là. Elle est passée derrière, ouais, dans le mode furtif. Ouais, c'était vraiment qu'elle était devant cette connasse en fait. Sinon, ça passait. Hein. Ça passait bien. Bah, en fait, le truc, c'est que, mesdames, vous êtes de la classe populaire, mais vous êtes un peu conne quand même. Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'automatisme dans la vie. On peut appartenir à une classe sociale et être différent de sa classe. Et inversement. Des clichés de sa classe. Ça c'était utile de me faire faire ça. Bravo! Bravo, concepteur du jeu Cyberpunk. Wouh! Okay. Je suis dans l'ambiance. Le résident est derrière la porte. Le flathead peut forcer la serrure. Ok. Donc, faut que je scanne et que j'appuie sur F en fait. C'est mon gameplay. C'est chronométré. Donc facilement, si tu vas vite, t'as un paquet de d'Haribo. Galère, on dirait. Merde! Doit y avoir un autre accès. Laissez-moi réfléchir. Réfléchis. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Un port? Mais je ne veux pas le port. J'ai trouvé le port. Ok, connecte le flathead. Allez, connecte le flathead. Explore, appuie. Voilà, appuie sur la caméra, c'est fait. Une caméra. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Voilà. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. Je peux pas. Passer. Je suis un peu gogol. On fait quoi maintenant? Neutralise-le. Utilise le flathead pour te connecter à lui. Je vais le geler avec un démon. C'est du vieux jargon, on me demande pas. Le résident va se douter de rien. Demon Tools. Connecte-toi directement à son fauteuil. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Tu pourrais débarquer avec un char d'assaut dans la pièce qu'il ne remarquerait même pas. Le monde réel n'existe pas pour lui. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead.
Est-ce que tu serais Netrunner, toi qui écoutes? Tu serais quoi dans la vie? Je peux pas te lire parce que j'ai plus deux écrans maintenant. J'ai dû vendre une partie de mon âme aussi à un jeu de cartes. Et je l'ai fait aussi à un jeu vidéo, comme là en fait. Mais du coup, ouais, tu jouerais quoi dans la vie? Un Netrunner, un nomade, un Netrunner nomade ou autre chose, tu vois? Tu chooses un petit peu ta destinée. On dirait que le conduit relie les deux pièces. Ouais, on va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. J'ai réussi? C'est fou. Il y en avait une autre encore? Non, c'est vrai. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. Vas-y, j'envoie le flathead. bien joué, le flathead. Et après, je passe sur l'autre caméra et genre, je vais le voir arriver par là. La folie! Oui, connecte le flathead au fauteuil. Connecte le flathead à quoi? Ah, ça, ouais. Au Netrunner, justement. Donc, ouais, Netrunner, tu joues sniper, genre. Cyber Ninja, tu fais quoi? Tu fais quoi dans le jeu? Bah c'est ce qu'on va découvrir ensemble, tu vois. Ouais, on l'a eu. J'adore ces démons. Le flathead reste là, hein? Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. Ok, je fais comment? J'appuie sur Z. Ah, j'appuie sur rien, en fait. Je me déconnecte. Merci à ce qu'on sait assez. Bon, c'était pas très difficile en même comment temps. Comment tu te sens? Ça va. J'ai juste la tête qui tourne. Ouais, j'ai du rouge là, ça va pas. Hein. Bug, t'en as encore pour longtemps? L'éclairage est pas dégueulasse quand même. Et pas dégueulasse. C'est là, ah, il y a un bouclier. Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça d'accord. Va me prendre quelques heures pour la percer. Te casse quelques pas la gueule. Quelques heures? Y'a pas moyen d'accélérer? Putain. Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Voilà, hein. Posez-vous et profitez de votre suite de Bourges. C'est... Ouais, voilà. Voilà, la raison. Moi, je me sens sale. Détends-toi, ok? Essaie de te reposer. T'aimes bien ça, t'aimes bien croquer, t'aimes bien croquer. Ça me répugne un peu, cette opulence outrancière. Bon, c'est vrai qu'elle est terriblement classe, cette putain de ville, tellement elle est bien designée, tellement les designers. Mais tout ça, c'est des sirènes, mes amis. C'est les sirènes qui viennent vous déchiqueter après sur la plage, tu vois. C'est ça, une grande ville. C'est Rastignac, c'est la peau de chagrin, ça ne va pas. On n'est pas censé faire ça. Tu crois qu'un humain est censé marcher à 300 mètres du sol avec de la lumière partout, même la nuit? It's absurd! It's absurd! We are not supposed to do that. Alors, c'est impressionnant, tu te dis, ouais, ingéniosité humaine, blablabla. Bla bla. Mais derrière, en fait, combien de morts dans la construction? Combien de morts qui n'auront pas le budget de cette tour? Pour leur hôpital qui serait beaucoup plus petit, un hôpital de campagne, mais qui sauverait plein de vies. Et cet hôtel, il sauve personne. Il fait perdre son âme à tout le monde. Bon, allez, j'arrête de vous le lecture, on va continuer la game. Mais c'est un petit peu le but aussi, tu vois. C'est une forme d'immersion, tu vois. Moi, je suis une nomade. Je suis pas quelqu'un qui veut. Moi, je suis passé là parce que je voulais explorer le truc. Et dès que je suis arrivé avec leurs frontières, là, ça m'a dégoûté de la vie, t'as vu. Moi, je veux freedom. Comme les noirs dans les chansons dans les années 70 là. Freedom, freedom, oh yeah. Non mais c'est bon, allez, vas-y. Je fais quoi du coup, gros? Bro, bruh, bruh. Je m'assois et je fais rien. Non mais attends, moi je vais explorer l'hôtel. Moi je suis dans un hôtel de bourgeois. Je peux pas ça, je peux pas. Ça, est-ce que je peux tolérer, game, que je puisse pas sortir, aller dans l'hôtel, me balader? C'est un jeu qui t'offre. Là, je peux même pas me servir un verre de champ. Je suis... voilà, je dois utiliser le flathead, appuyer sur F. F, 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 F. Et ben, fuck you. Arrêtez de regarder, voilà. J'arrête de regarder, ça me saoule, là, tous ces beaux graphismes, toute cette opulence capitalistique. Non, je sais, on croque tous un petit peu, hein, si on est sur des machines en ce moment. Toi qui joues à des jeux vidéo, toi qui regardes... Tu croques. Mais il faut qu'on croque moins, tu le sais. Bientôt. Le jugement dernier. Non, allez, vas-y, je vais m'asseoir. Ça. S'asseoir. Putain. Laps temporel. À ton avis, ouf. Pourquoi il a renoncé à tout ça? Qui? Qui a renoncé à quoi? Ouais. Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que
je me demande. Est-ce que ça sert à rien? C'est comme... Imagine. T'as absolument tout, tu vois? Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? Ouais, direct, normal. Il voulait peut-être juste échapper au système. Voilà. Pourquoi il est revenu, alors? C'est pas facile de sortir du système quand ce système, c'est ta propre famille. Ouais. Le mouton noir reste un mouton, hein. On peut dire ça. C'est ça. Il est revenu à quatre pattes, la queue entre les jambes. Ça fait pitié pour un rebelle. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Allez. Sécurité du penthouse neutralisée. Allez. Perfecto. Que le spectacle commence. Indeed. Y a du bon dialogue, quand même. T'es resté à l'écoute tout ce temps? Pendant 3h30. T'as dû te faire chier. À propos de ce balai d'enculé. Celui que j'ai dans le mien? Je le pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner? Ça se passe plutôt bien, non? Tu stresses? Tu trouves pas? Waouh, t'es du genre optimiste. Hey, tu vas décider à chasser ces nuages noirs au-dessus de ta tête? Fais-moi confiance, ça va aller comme sur des roulettes. Je viens du désert, mec. L'extérieur, soit t'as un clan, soit t'es mort. Ouais. Et la ville, ça doit pas être différent, en fait. C'est juste que vous faites genre et vous êtes encore pire. Ah, c'est angoissant, ce silence. Hé, hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Vas-y. Maintenant? Sérieux? Bah, ça décompte. Ok. T'as les effets. Alors, de lumière, vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon? Groum, 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 groum. Oh putain, franchement, je vais te tirer dessus, mais... Putain, achevez-moi. Ah non, c'est lui qu'il faut tuer. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. En tout cas, c'est putain. Mieux que d'être le fils Fuckable de Raoul Wells. Hé, on se concentre, le coffre. Émaniez-vous. Attends. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorino. Je vais tout vider chez toi. C'est un putain de sorcier ou quoi? Hop, voilà, voilà, il y a des trucs jaunes. Oh là. Il doit être dans un angle mort. Je regarde-moi ça, dans c'est pas joli là. Faites votre boulot. Oh, on dirait que Yorinobu nous a laissé un cadeau en partant. C'est pas grand chose, mais faudra s'en contenter. Il a laissé une crotte dans les chiottes. Attends, je me sers. C'est un truc de dingue. Je suis chez Yorinobu Arasaka. Je suis en mode pillage là. Là, tu vois mon côté Gypsy King? Non. Tu veux te faire de la guitare en dodo? Utilise ta liaison perso et rends-nous riches. Merde, je peux courir. Ça marche. Attends, là, attendez, là, vous êtes pressés, mais on peut taper. On peut taper le bourgeois, les amis, on peut taper le bourgeois. Le saleté de bourgeois. Merde, je peux pas ouvrir, là. Ouais, c'est pas grave, je vais calmer mon entrain, je suis sûr que je manque un truc de ouf. Eh, hey, mais l'iguane, bien, mec. Eh, hey, regarde, encore un putain d'iguane. Mais non, c'est le même, ça se fait. Merde, t'as raison. Collègue. Tu crois que c'est le même? Ouais, moi, je pense. Possible. Le nôtre avait un coup carrément plus plissé que ça. T'as remarqué ça, espèce de dingue? Vas-y, quand même, là on est tellement décontracté que je peux pas ouvrir. Non, je peux pas. Ce jeu ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Il se dira qu'on l'a cambriolé, c'est bon. Ce serait sympa. À toi de jouer, Bug. 2 secondes. 1, 2. Allez, bah, je suis trop lent. Pour moi, là, T-Bug, tu t'es décrédibilisé un maximum. C'est quoi ce bordel, là? Les visiteurs arrivent en avis. Non. Bug? Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout! Ouvre le coffre! J'y suis presque. Voilà. Premios. Ça veut rien dire. Alors voyons voir ça. La relique est intacte? L'intégrité du bio est là, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Ouais. Parfait, on y va. Allez, ferme-moi ça. Merde, trop tard! Yorinobu va entrer, planquez-vous! La grosse colonne, là! C'est une blague ou quoi? Non, entrez dedans, vite!
Je l'ai fait. Là je devrais essayer. Ah oh, oui non. J'y suis allé. Cache. J'appuie sur F. On est entré. Mais ça résout pas notre problème, G. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Ah, tiens, il y a une légende urbaine qui circule sur ça. Smasher. Yorinobu, ok. Impossible. C'est pas Adam Smasher. Si, c'est Adam Smasher. Ta gueule. Regarde du corps. Pire. Une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Saburo Arasaka? Le vieux. Putain, les gens. Chut. Cette cabine-là est pas insonorisée. Fuck. Vert intelligent, ok. J'ai peur. Il pue la merde, vos scanners, les mecs. Il pue la merde, moi je vous vois à travers, vous me voyez pas. Là, il vaut 2 euros, le vôtre il vaut des milliards. Un peu trop. S'il nous a fait griller. Il nous a pas vu. Alors Kayate. Ouais, ils ont pas dû nous voir. Hein. Pas possible qu'ils nous aient vu. Putain, je crois pas. Saburo Arasaka. Vous les payez en mars, vos gardes du corps? よりのどうしてここへ直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか出る杭を打たれるとよく言うだろう自分の言葉じゃ何も言えないのか voilà ce vieux jambe こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか c'est barbare. Je te reconnais bien là, je suis un fan de traditionnel. Par contre, oui. C'est dommage, Yorinobu, tu avais une. T'essayais de faire autre chose que ce monstre. ついに超えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を。Tranche le gars quand il parle. Ah, c'est bon, ça la trigger. C'est vraiment glauque hein, tuer quelqu'un, c'est pas genre ouais t'as vu j'ai fait headshot 3 fois. Non, c'est plutôt ça en fait. Les gens qui se connaissent bien et qui pètent un câble et c'est ça. Bon, ah, j'ai...
c'est pas bien, mais en fait, c'est le monstre du moment, ce gars-là, en ce moment. C'est une espèce de condensé de Jeff Bezos, Elon Musk, Macron, et dans une grande famille japonaise. Je voudrais que l'hôtel soit peuplé. Puis-je savoir pourquoi ? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Et votre attention, sur le groupe Amazon, le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Liberté d'expression, tant t'existe, je te prends. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Empoisonné? Étrange. Eh ben il a eu le même réflexe. C'est un tank, oui. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Le bordel. Yorinobu, il vient de buter Saburo. Easy. Quoi? Son propre père. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va grouiller le garde en moins de deux. Ça va, il est chié son père. C'est bon, il a le droit, quoi. Faut que tu nous sortes de là. Bug, il faut que tu nous sortes de là, et vite. Juste une seconde. On n'a pas une seconde. Merde. Ok, j'ai trouvé. Saburo Arasaka. Wouhou! Merde, par la fenêtre, quelle fenêtre de le dire. Oh. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. On s'en fout, avance. Échelle? Oh merde! Non, pas maintenant! Ils l'ont trouvé! Merde. Oh putain de merde! On l'a perdu, T! Putain! La cour des grands, putain! Tu prends ton pied là, Jackie? Allez, go. On trace nos mères. Regarde à l'ombre! Eh gros, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais là? Putain, les gars, ils s'est cru qu'il était en rando, quoi. Oh, ça va, il y a du feuille! Moi, ouais, je vais monter la garde. Ok. Oh putain, là, ça va être cher, Jackie. Regarde pas en bas, c'est tout. Ah, c'est là que c'est fou. C'est là que c'est fou. C'est sacré beau, on empêche! Un petit peu, ouais. Wouhou, les pieds! Merde. C'est la trauma! S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard! Merde. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus! Non, c'est pas des. C'est sur l'image que. Le cassage d'ambiance. Oh merde! Ah! C'était chaud! La relique! Ah merde! Madresse! Non! C'est pas bon ça! Non! Jackie, tu saignes! Ouais. Tu t'en feras pour moi plus tard! Vérifie la relique! Conteneur dépressurisé! Intégrité de la biopuce à 94%! Ah merde! Et ça descend! Carajo! Parker, appelle-la! Pour dire qu'on a bousillé la mallette? Fais-le aller! Allez, vas-y. Putain, je crois que j'allais. V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème! La mallette cryo est endommagée! L'intégrité de la biopuce est à. Jackie! 86%! 86% merde, et ça descend! Merde! Bon, écoute-moi bien. Il n'y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. C'est pas risqué. Ça m'a l'air un peu risqué. Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Allez, vas-y, c'est parti alors. Go. Bon. Un de nous doit s'y coller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
Jackie, ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Pas mourir, en fait. J'ai mal aux pieds. Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Ouais. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Il vaut mieux pas traîner. Ah, on le sait. Super. Tu vas voir comment allez, on s'arrache de là. Votre attention. Le code Peggy Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions. Exercice, pourquoi ils enverraient les forces d'élite leur faire discretos. Les forces d'élite? Elles sont dans le hall. Il faudra discerner les étages. Forces d'élite? C'est pas gentil, les forces d'élite. Ils sont où, les mecs qui parlent là? Ailleurs. Ok, très bien, très bien. C'est ton point droit. Silencio. Un pour toi. Le problème, c'est que avancer ça me dit rien de bon. Et être furtif, c'est la même touche. Et j'ai pas envie d'avancer les autres dialogues parce que c'est mignon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les neutralise comme à l'ancienne. Les bombes bloquent comme à l'ancienne. Je vais essayer de pas tuer les gens. Ce sont des gardes. Ils ont fait un mauvais choix de vie. Regarde ce qu'on a là. Si je peux les neutraliser. Le silencieux sera utile. Sans les tuer, je le fais. Je ne veux pas faire des. Ok. Des orphelins. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Mais après, je serai un gros gun. Vas-y. Non, je vais essayer de prendre. Cette chose. Qui a un silencieux, je crois bien, c'est ce qu'il disait. Et puis ça, voilà, on va le mettre parce que ça fait plaisir. Parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie. Avec des armes. C'est quand même important. Surtout quand on est jeune, de s'armer le plus jeune possible, hein, dès 8 ans en général, hein, l'arrivée du CE2 dans le système scolaire français, on arme les enfants avec du prévert. Je me déteste. Oula. Ils vont voir. Il faut que je les silent heal. Est-ce que je peux silent heal les gens pour... T'as vérifié les salzen? Ouais, merde. R.A.S. Il y avait rien d'étrange ou d'inhabituel. Je dois le tuer. Bah, on dirait que les portes qui donnent sur la terrasse ont été endommagées. Mais je vais devoir le tuer. Ils vont voir alors. Je vais devoir tuer ces gens. Ah non, c'est bon. Je veux pas... Tu vois, si on attend... Toi, vite. Chose de piratage. On va essayer de cramer les... 55 PD, ouais. Comme le... désactiver... Hop. Instruction du personnel. C'est marqué imbécile. Hein ? Faut que je marque les cibles aussi. Ça, on n'y pense pas assez. Court-circuit, redémarrage optique. Tout est bien. Mais on va voir si on peut faire autrement. C'est joli ici. Un peu épuré à la japonaise. Hein, mais bon. C'est Arasaka le nom, hein, je crois. Donc, quelque part, il y a un lien avec le Japon. Je pense que c'est établi par le scénario. Hop! Furtivité one by one. 5x5, comme dirait l'autre. Allez, viens par là. Non, mais c'est bon, pas d'alerte rouge. C'est bon, c'est un jeu un peu vieux qu'il y avait sur PlayStation. Mais maintenant, c'est bon. Quoi qu'il y ait eu le 3, il était sur PC.
pas le dire, mais je le dis quand même. Hop. Je vais essayer de pas faire de bruit. Mais là, on s'en sort bien. Moi, je dis bien, surtout que c'est code rouge quand même. Oh bah merde. Ils nous ont repérés. On va devoir tuer les gens. On va devoir tuer les gens. Fais voir. Concentre-toi. On va les avoir, mec. Amour qui s'est créé. Oh là les ! Va falloir se frayer un passage. Ouais ouais, on va tuer tout le monde là. On travaille pour les bourgeois, et ben maintenant c'est fini. Attention. Alerte rouge, c'est ça ? Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Ouais, suivez les instructions. On va les défoncer. C'est ça que j'ai pas visé. Ok. Allez, on fonce. On fonce. Plus de barre, mon pote. Joli tir. Bien sûr. T'étais où, toi? Je suis nomade, mon pote. Ah, je vais peut-être monter la musique quand même, parce qu'elle pète sa grand-mémé. Hein. Champ de vision, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Hop, 95, parce que je suis pas un fou. Je suis quelqu'un qui aime bien, tu vois. Mais pas à ce point-là, combat. 15? Non, 10, allez. On doit se resynchroniser. Pas vrai. Allez, fils de pute. Oh, pas d'insultes envers les fils. Et y'en a un qui ont pas choisi. Pas bouffe la purée. Pas de sexisme. Ouais, c'est le sexisme. Est-ce que vous chargez la gueule? Le petit salaud, on peut pas rigoler. On peut pas tuer des gens en rigolant. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Allez, vas-y. Régène. Vous feriez mieux de foutre la paix, cognos. Prenez cette position. T'es mort comme t'as vécu. Toi, t'as beaucoup trop bougé autour de ma gueule hein, quand je tire. Joli. Oui, allez. Juste, j'ai un truc à faire anticlimatique, c'est que j'ai des poings et je suis en combat, donc c'est un peu bête de pas en profiter. Je vais mettre quoi alors? Je vais mettre constite parce que j'en ai marre. Il me faut plus de vie. C'est quoi qui permet de régène? Ça? Mais merde, j'en ai pas assez. Donc je veux monter ma vie, ouais. Je vais monter ma vie. Et puis, quoi d'autre? Ça, je ne sais point encore. Je me tâte. Il y a une hésitation. Avec de lynx, non. Ça, c'est pour avoir un gun tout... Non. Arme de poing, ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. Je le gunslinger, quoi, mon perso. Mais j'étais sur un truc, je voulais balancer des grenades. Bon, et juste bousiller les gens. De manière absolue. Vous avez une chance de récupérer des modules immunisés à tous les effets propres de vos grenades. Ça, c'est cool ça. Permet de voir le rayon d'action des grenades. Ouais, c'est plus utile que... Ouais, c'est utile quand même. C'est utile quand même. J'ai envie de me spécialiser gun. Réduit le temps nécessaire pour viser les fusils, non. Augmente les chances d'infliger des coups critiques. Réduit le temps nécessaire pour dégainer et regagner les pistolets. Ouais. Réduit le temps de rechargement des pistolets, de revolver. Augmente le multiplicateur des dégâts. C'est bon, j'ai non, j'ai des points d'attribut que j'ai pas fait. Ça. Et ça quand même. On va faire beaucoup ça et ça. Et ça, on va voir. Mais je vais essayer de faire ça. Voilà, ça va être compliqué. Dis ton paron, c'est quoi? Ah merde, putain, c'est quoi ce putain de merde? C'est pas ça qui va m'arrêter! Oh là!
Je te hais, c'est ça. Castro Prime.